Bon matin à toutes et tous. On se retrouve eh bien pour le dernier message de cette semaine, car vous le savez, hein, depuis le temps, moi je termine avec vous le vendredi. Et j'espère que vous n'êtes pas superstitieux parce que nous sommes le vendredi 13 octobre 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Avant de commencer, univers infini, que le génie qui est en moi soit libéré, que je saisisse clairement le plan parfait immédiatement, ici-bas et maintenant, que cela soit ainsi. Merci avec toute ma gratitude. N'oubliez jamais de remercier. Répétez ça encore deux fois. On termine avec s'autoriser à être soi, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé savoir formuler des excuses. Et c'est le chakra de la gorge qui se trouve à la base du larynx. Et sa couleur, elle est bleue. Et ce chakra, il est le moyen d'extérioriser tout ce qui se vit en vous. Lorsque ce chakra circule mal, n'est pas aligné, n'est pas en harmonie avec les autres, eh bien, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué pour parler de votre intérieur. Et vous vous en tenez souvent à l'intellectualisme et au rationalisme. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes timide ou au contraire, peut-être que vous êtes dans un flot ininterrompu de paroles et vos émotions réelles restent coincées dans la zone de la gorge, et vous avez tendance à vous sentir en total décalage, eh bien, entre votre monde intérieur et votre vie extérieure. Il y a une solution, n'est-ce pas? Et la solution, c'est le verbe créateur, qui est porteur de liberté, et l'expression de votre vérité, eh bien, elle est sacrée. Alors, il faut apprendre vraiment à vous exprimer en accord avec votre petit cœur pour communiquer cette vérité que vous avez. Et quand il est en harmonie avec les autres, que ce chakra est harmonieux, eh bien il permet d'exprimer librement les sentiments, les émotions, les pensées, par les mots, les gestes ou la créativité. Aujourd'hui, savoir formuler des excuses. Si tu t'apprêtes à aborder un sujet délicat avec une tierce personne, et si tu t'attends à des reproches, eh bien, on t'invite à ne pas te braquer. Ne te braque pas. Ne te braque pas en préparant ta défense à tout prix, mais au contraire, reconnais préventivement, eh bien, la délicatesse du contenu du débat. Et excuse-toi de heurter la personne, si tel est le cas. Et la partie adverse, la partie, c'est-à-dire cette personne qui est en face de toi, adoptera aussitôt une attitude de clémence soudaine, car tu n'auras pas diminué son sentiment de valeur personnelle. Alors, verbalise des excuses sans te perdre, eh bien, dans la justification non plus, n'est-ce pas? Car il ne s'agit pas ici de te fustiger, ni de te dévaluer, hein, mais de montrer simplement que tu as pris conscience de l'impact probable de tes mots sur lui, mais que tu es prête à lever un questionnement en l'affrontant de façon directe et honnête. Alors, en agissant comme ça, eh bien, l'autre va se sentir considéré et acceptera plus volontiers, eh bien, la discussion, n'est-ce pas? Par extension, eh bien, cette carte, elle peut signifier aussi qu'il est temps de te formuler à toi-même des excuses pour avancer dans ta vie. Peut-être que voilà,
se pardonner, s'excuser. Voilà, je suis moi, je m'excuse. Je suis moi. Je m'aime, je m'excuse. Je m'aime, je suis moi, je m'excuse. Très beau message pour terminer cette semaine. Encore une fois, hein, s'autoriser à être soi, c'est accepter les parties négatives qui sont en nous et les mettre en lumière. Je termine avec ne plus avoir peur. Je fais confiance à mon mental de la même façon qu'il m'a inconsciemment entraînée dans la peur. Il m'aidera consciemment à en sortir. Le mental est souple. Il est à notre ordre, à nos ordres. Il se modèle conformément à ce qu'il imprime. Au lieu de le laisser subir les influences négatives du monde extérieur, eh bien, nous pouvons lui dicter des empreintes qui auront sur nous une influence positive. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end dans l'amour inconditionnel, dans l'empathie, dans le rire, dans la joie, dans la bonne humeur. C'est tellement important et c'est ainsi que voilà, vous émanez extérieurement cette joie de vivre, hein, n'est-ce pas? Et puis on se retrouve bien évidemment pour une prochaine capsule. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous en douceur, vraiment. Prenez soin de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite.